Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Joliot, débutant cette édition à la présidence, où le président Félix Antoine Tshisekedi a rassuré ce mardi 25 mai l'envoyé spécial de l'ONU dans la région de Grand Lac d'Afrique, son engagement sans faille en faveur de la paix et du développement de l'Afrique. C'était au cours d'un échange entre les deux personnalités à Kinshasa. Et à la primature, pour améliorer les conditions de Congolais à Kinshasa et dans les grandes villes du pays, le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde Kyenge a tenu une séance de travail et d'analyse stratégique le mardi 25 mai à la primature avec les autorités politiques administratives et de la police concernées en vue de trouver en urgence des solutions durables aux problèmes d'insécurité et d'embouteillage et de voirie. Zéla. Et à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda sollicite l'aide de l'Union interparlementaire pour le sinistré de Goma en marge de la 142e session de l'Assemblée interparlementaire. Le vice-président de l'Assemblée nationale a fait à l'intention de membres de l'Union interparlementaire une communication en rapport avec la catastrophe naturelle survenue au chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Jean-Marc Kabound, à Kabound. La délégation du Parlement de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de tout le parlementaire, membre de l'Union interparlementaire, que la ville de Goma a connu ce samedi 22 mai dernier une nouvelle activité sismique du volcan Nirangongo qui s'en est suivie d'un séisme de magnitude 3 qui a causé des dégâts énormes. Le bilan provisoire fait état de 15 morts et de nombreux dégâts matériels. Donc la situation sur place étant très difficile, nous gardons une pensée pieuse à l'endroit de toutes les victimes. Il faut aussi noter que le gouvernement de la République démocratique du Congo suit de plus près la situation et a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la population. Ici, tellement que la situation est extrêmement grave. Nous pensons que les parlements du monde, bien entendu, membres de l'UIP, peuvent soutenir la République démocratique du Congo. À travers un message rendu public au mardi 25 mai 2021, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, au nom de son président national, Joseph Kabila, exprime sa compassion et sa solidarité à la population du Nord Kivu en général suite à l'éruption du volcan de Nirangongo qui les a surpris le samedi dernier. Pour cette formation politique de l'ex-président Joseph Kabila, la province du Nord Kivu, meurtrier par l'insécurité placée sous l'état de siège, vient d'être soumise aujourd'hui à la fureur de la nature. Plusieurs personnes sont mortes à la suite d'une nouvelle attaque d'hommes armés la nuit de mardi à ce mercredi 26 mai 2021 dans la localité de Kilia sur Axe Routier Beni Kandindi, en secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. Le bilan encore provisoire fait état de 13 morts. Cette information est confirmée ce mercredi par le chef de cette entité. Come on!
Enfin, le procès de massacre de Yumbi, ouvert mardi 25 mai, a été renvoyé au juillet 6 juin au cours d'une brève audience publique d'introduction à la prison militaire de Ndolo. La haute cour militaire a décidé de la remise à la demande de parties pour leur permettre de s'imprégner de dossiers de prévenus, accéder aux procès-verbaux, enfin d'en avoir la maîtrise avant l'instruction. C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.